Bonjour Mutulus, j'espère que vous allez bien. Je viens ouvrir une nouvelle vidéo. J'ai reçu un colis. Enfin, monsieur l'a ouvert, c'est pour ça. Du coup, voilà, j'ai commandé une box qui se présente comme ceci, d'un livre qui est arrivé en Mondial Relais et d'une autrice. Je vous mettrai en barre d'infos son Instagram. C'est par là que je suis passée. Si j'oublie pas, je vais peut-être la monter juste après. Du coup, on va commencer. Je sais qu'il y a des goodies. C'est un livre un peu hot. Voilà. Et déjà, on a un truc, mais tout est dedans. Une petite trousse. Mais ça a déjà tout regardé en fait. Voilà. Du coup, lui, c'est quoi? Ça, c'est des bougies en forme de pâte. Une bougie en forme de pâte, une rouge. C'est noir ou bleu, je sais pas. C'est un peu noir ou bleu, je sais pas, franchement. En tout cas, elle tache fort la rouge sur le petit sachet. Du coup, le premier goodies. J'essaie de pas voir, mais le. Vous allez voir un porte-clés avec le titre du livre. Voilà. Je me tourne un peu le moins. Après, il y a deux trucs. Un bracelet comme ceci. On ne sait pas voir. Va l'ouvrir pour voir un peu mieux. Il est comme ceci, un cœur, une patte, et je sais pas ce qui est écrit. Voilà, comme ça, il est noir. Je le remets dedans pour pas les perdre. Parce que là, je vais pas les mettre tout de suite. Et je crois que c'est la dernière chose. Oui, il n'y a plus rien. Et ben ça, c'est un collier, si je crois bien, avec une forme de patte. Un collier, j'essaie de l'ouvrir. Mais j'ai du mal. Ça y est, je l'ai eu. J'ai plus fort que lui. Ouais, c'est ça, c'est un collier en forme de petite patte. Tout simple, mais trop mignon. Voilà. Hop. Je le remets dedans pour pas le perdre. Je suppose que ça c'est juste un carton de protection. Voilà pour les goodies que j'ai eu. J'ai encore un goodies. Ça, je présente comme ceci. Oh! Et du coup, c'est le la tasse du livre, c'est les efforts. Efforts de Cassie. Je sais que c'est Cassie, mais l'autre. Ouais, elle est belle. Je vais m'en servir. Je la laverai. Voilà, et du coup, le bouquin qui est celui-ci. Voilà, il est sobre, mais dedans il n'est pas sobre. Les offrandes stérieures. Oui, en plus, c'est la queue du diable. Par contre, je peux pas vous montrer. J'ai le petit marque-page. C'est ça qui m'ennuie, il y a la dédicace, mais je ne peux pas vous montrer. La dédicace. Hop là. J'ai un peu peur pour la photo qui est là. Du coup, dans le livre, il n'y a rien de spécial. Les chapitres sont simples. Comme ça. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des
SMS dedans. Ouais, doucement, c'est assez large. Je pense le lire assez vite. Voilà, je voulais la quatrième de coup, fallait pas si long. C'est du très QQ. Voilà, pour ceux qui n'intéressent pas du QQQQ. Voilà, c'est démon. Quand je vais vous lire la quatrième, vous allez comprendre. Cassine, une jeune étudiante délurée, s'est fait virer de son dernier lycée pour un comportement plus inapproprié. Arrivée dans un nouveau établissement scolaire, elle va devoir faire profit bas et ne pas se faire remarquer. Pourtant, un seul regard échangé avec monsieur le proviseur et Cassie sait déjà qu'il va être sa nouvelle proie. Mais la vie réserve parfois de surprises et il arrive que la proie devienne la chasseuse. Wow. Et si Antoine lui apprenait à dépasser ses limites de son plaisir, voilà, le plaisir de vous comprenez, et s'il devenait bien plus encore un amant très hot. Ouh, je suis à point de le découvrir, il est pas gros, je sais pas combien de pages il fait. Sept pages. Voilà, je suis tout à fait très contente de ce petit livre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez du résumé, de ce que je ne peux pas vous montrer. Maintenant, si vous avez envie de me contacter sur Instagram pour en savoir plus, n'hésitez pas à me trouver dans la barre d'infos. Voilà, je vous en parlerai un peu plus. Si vous voulez même découvrir les photos un peu hot dans ce livre, n'hésitez pas, tout est dans la barre d'infos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Enfin, ça, quel goodies que j'aime bien. La tasse, c'est pratique à boire. Une petite trousse aussi, comme je vais partir en vacances, je pense qu'on va mettre le truc dedans. Le panneau, peut-être les sous qu'on veut partir et pas mettre plus. Ce qu'on peut faire. Et après, les bougies, c'est toujours intéressant. Les bracelets collier, moi un peu moins parce que je supporte pas, j'en avais deux mais je les ai cassés, le Pandora parce que tout le reste casse. Voilà, j'en avais mis un blanc mais c'était spécial avec des perles, celui-là je le supportais mais je l'ai cassé ce week-end, du coup voilà. Du coup je suis pas fort fan des bracelets, mais voilà, les colliers, j'en ai gardé un tout un moment que mon papa m'a offert, une clochette, sauf que tout mon cou est devenu tout noir, la clochette a changé de couleur, tout ce qui était doré est devenu cuivré, enfin je crois que c'était cuivré, enfin soit voilà. Et du coup j'ai peur qu'il change aussi sur moi. Voilà, sur ce je vais vous laisser, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous mettrai des infos dans la barre d'infos de la personne que j'ai contactée pour avoir ce livre. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!